Salut tout le monde, ici Onimusha et aujourd'hui on se retrouve pour un jeu, enfin vraiment dans le vent, mais pour un jeu Mega Drive. Et oui, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas fait de jeu Mega Drive dans le Dragon dans le vent. Et j'ai donc choisi 3 jeux Mega Drive, exclus Mega Drive, alors sans compter l'arcade bien évidemment. Mais le premier d'entre eux c'est Eternal Champions. Donc on verra bien, je vais te dire on verra bien ce que ça donne. Donc ça commence par un monologue du méchant. Alors je joue avec une manette bien évidemment de Xbox 360, qui est comme j'utilise toujours, mais comme vous le savez, la Mega Drive, la manette basique de Mega Drive n'avait que 3 boutons. Et voilà, moi je suis donc en 6 boutons. C'est pas facile de... C'est très difficile de mapper une manette 6 boutons sur une manette de Xbox. Enfin, une manette Mega Drive 6 boutons. Du coup, j'ai pris la configuration SNES, donc avec 4 boutons plus 2 plus RL. J'aimerais bien ce que ça donne, j'espère que j'étais bien mappé. Donc, une manette 6 boutons hein, sur Mega Drive, c'était bien évidemment le pad, le gros pad. Bon, alors, un joueur, deux joueurs, mode tournoi, information. Il y a la biographie de tous les caractères, de tous les personnages francs. Ok. Ok. Bon, alors c'est une sorte de jeu de combat à la Marvel, pas Capcom. C'est dans l'idée, hein. Donc on verra bien. Battle Room, Training, Fight. On va entrer dans le... Alors, je vais prendre qui? Shadow, Rax, Blade, Jetta, Splash, la tête. Trident, Xavier, Midnight. Oh, le jeu de mots! Larsen, Shadow. Bon, écoutez, on va prendre Shadow, on verra bien. Contre Rax, très bien. Ok. Ok, donc il y a un bouton qui ne sert à rien. Ah si d'accord, c'est qu'il était le mot autrement. Ok, très bien. Alors, voyons voir. Ok, donc on a des shuriken, je pense. C'est limité ou quoi? Ce bruit me rappelle quelque chose, ce serait pas le même bruit que dans Street Fighter par hasard? Le bruit de coup. Donc on va voir, on va pas... tirer des conclusions trop hâtives, on verra bien. J'apprends les touches, on verra bien après le jeu. Là j'ai un shuriken, d'accord. Là j'ai un coup comme Meishirami, je pense. Ah! Oula! C'est très très lourd, hein. Ok, j'ai pas réussi à le refaire. Vers l'arrière? Non. Allez! C'est très difficile de sauter vers l'avant. Oh là là, ouais. Bon. Est-ce que je serais encore tombé sur un jeu pourri? Ou est-ce que c'est juste moi qui joue mal? C'est possible, les deux sont probables. Mais, c'est-à-dire que... voilà. Je ne peux rien faire en fait, c'est bizarre ça. Voilà. Pourquoi là j'en ai plus du coup? Ok, bon bah c'est pas trop compréhensible. J'ai un dragon, non, j'ai pas de dragon. Pas avec elle en tout cas. Ah j'ai pris elle parce que c'est le premier personnage, généralement c'est les Shoto, c'est les simples à utiliser donc. Donc là j'ai le Shuriken, d'accord. Est-ce que mon... le fait que... alors vous voyez, j'ai du mal à m'exprimer. Près des barres de vie, il y a un yin et yang. Est-ce que ce serait pas ça qui me permet d'utiliser les super coups? Ou il y a une shop déjà. Oui, c'est ça, d'accord, ok, faut qu'ils se remplissent. Qu'est-ce qu'il y a eu? Ah, time over, ok. Oh la vache.
C'est spécial comme jeu. Est-ce qu'un jour je vais tomber sur un bon jeu, s'il vous plaît? Bon, savoir que de base, moi je suis pas Mega Drive du tout. Hein. Je suis vraiment partisan SNES. Ah oui, je sais. Et pour les jeux de passion, généralement ça se confirme. Hein. Ah voilà, oui, j'ai un coup comme Mai Shiranui. Mankoff. Mais y'a pas de garde ou quoi? Ou alors, enfin la garde se met bizarrement, ou alors c'est les combos qui sont hyper lents. Donc du coup y'aurait pas de frame de recovery. Ah mais doucement, doucement! Ok, bien. Alors, attends, si j'ai bien compris, un coup, ça passe sur la garde basse. Mais c'est complètement débile. Oh, je suis encore tombé sur un bon jeu Mega Drive. Et moi qui voulais, justement, je vais dire, ah bah tiens, je vais prendre la Mega Drive. Je vais regarder ce qu'il y avait comme exclusivité sur Mega Drive. Et on va bien trouver sur des bons jeux. J'ai pris des meilleurs, apparemment. Exclus, hein, j'en parle. Pas les meilleurs jeux de basse, mais les meilleurs jeux exclus. Hein. Et bah, j'étais bien content d'avoir une Super NES quand même. Oh là là, mais mec! Surtout que je voulais trouver un autre jeu, pas sur Mega Drive, hein, qui est sur console. Pas sur console, pardon, sur PC. Vous allez voir, un excellent jeu. Mais ça, c'est pas un bon jeu, hein. Oh là 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 là. Bon, on va. On peut. Y a pas de soft reset sur. Est-ce qu'il y avait un soft reset sur. Non, il y a pas de soft reset sur. Sur Mega Drive. Alors désolé, je vais y reset autrement. Voilà, soft reset. On va choisir un autre personnage, on sait jamais. Ah, elle a une Dave's Kick, elle. Le jeu est très long à se lancer, fight, voilà, on va faire un arcade. On va voir, lui nous a foutu une tollée. Alors ça c'est un chopper, il va être injouable, trident, il va peut-être se jouer long. Allez, voilà. Au pif. Hein. Pour le jeu de mots. Ah bah c'est le mec qu'on a dit tout à l'heure en intro. D'accord, ok. Ah, c'est lui qui me provoque. Ok, il y a une provoque dans le jeu. Ok. Je suis bloqué? Ah, d'accord, ok. Ok. Je tente des trucs, hein. Dans celui qu'on a l'air d'être. Le perso qu'on a l'air d'être. Un peu mieux. Mais t'as pas de. Ah, tu me dis pas que t'es un perso à charge. Ok, il brille. Je gagne le timer. Ouais, je gagne le timer. Ok, bon bah. Je suis assez. Mais je suis sans voix. Hein. J'espère que les. Alors. Ah, en fait, pour tout vous dire, j'ai commencé par ce jeu-là des trois parce que je crois que c'est. Enfin, je pensais que ça allait être l'un des meilleurs. Et j'espère sincèrement que je me suis trompé. Ok, ouais, ça va être un perso à charge ou alors c'est. Ah non, c'est pas, ok, c'est juste qu'il a ça et c'est craqué. Juste à spammer ça. Et. Ah non, d'accord, ok. Je suis en train de me faire défoncer. Bon,
Alors on n'ira pas au bout, hein. Je vous spoil un petit peu. Mais bon. Mais ça c'est n'importe quoi. Quand j'ai la garde basse, enfin l'attaque standard, ça passe par dessus en fait. C'est des overheads. Toutes les attaques par dessus, c'est des overheads. Ok. Avec les bruitages de... J'ai pas de coups spéciaux avec lui. D'accord, ok. Ah si, j'en ai une. Ok, c'est des... Bah, je crois que c'est ça. Oh là là, ce jeu. Vous savez, je commence à comprendre pourquoi on ne tombe jamais sur des bons jeux au hasard. Alors là, je fais deux fois la même manipulation, mais ça... Apparemment, il y en a un qui comprend un coup spécial et pas l'autre. Ok, j'ai trouvé le bug. Enfin, j'ai bien fait. Les combos, hein, ça passera. Oh là là. Oh! D'accord, ok, c'est Raiden en fait. Ouais, donc ça aperçoit la charge. Et c'est le Raiden du jeu. Ouais, c'est ça. C'est le Raiden du pauvre. Encore une fois, si vous aviez eu ce jeu il y a une vingtaine d'années, alors déjà avec condoléances, hein, ça n'a pas dû être facile tous les jours, mais je me demande comment vous avez fait, hein. Franchement, ah, il y a des mauvais jeux partout, hein, sur toutes les consoles, hein. Mais là, vous voyez, premier jeu Mega Drive, oui, premier jeu Mega Drive. C'est de la merde. Arrête de me provoquer. Oh là là, mais ça que ce soit overhead, mais c'est n'importe quoi. Oh! Oh! Et voilà, on a réussi à battre le méchant. Ah, maintenant je vais fuir. Ah, technique secrète. D'accord. Mais te barre pas. Ah, c'est long. Allez. Merci. Si, bah si, 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 bien sûr, on est tombé sur un bon jeu au pif, le Power Ranger était excellent. Enfin la même, hein. Apparemment ça marche bien. Et c'est la même shop que Raiden en plus, hein. Je raconte même pas de conneries, hein. C'est vraiment le Raiden du jeu, hein. Il a même, enfin, il a la même shop, il a les mêmes coups, quoi. Il a les mêmes cheveux. Bon, bah, on a battu le premier adversaire. C'est du pif, hein. J'ai juste bourré. Ah, ça, c'est un passage qui m'intéresse. Larsen, là. Ah, la musique. Ouais, bon, par contre, on a beau être plus Mega Drive que SNES. Faut quand même avouer que les musiques, c'était pas ça. Hein. C'est censé être quoi, le mec? C'est censé être le Batman? Oh, il me chope dans mon coup spécial.
Il peut faire ça, lui. Mais apparemment, il peut faire pas mal de choses, ce moment. Voilà. Voilà, la chope. Technique secrète. Ok, bon. Combien de temps ça fait qu'on joue, là? Parce que j'aimerais au moins faire un épisode de 20 minutes, je ne sais pas. Je sais pas, regardez, je crois que ça fait à peine 10 minutes, 12 minutes, comme ça. Je sais pas du tout, bon. Oh, mon dieu! Oh, pas mal. Hop, voilà. Oh là là. D'accord, évite-le. Avec un... Il se bat avec quoi? Un yo-yo? Non, c'est un... Ah! Il m'a battu. Oh là 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 là. Je veux tous les battre d'affilée? T'es sérieux? Mais c'est pas un mode arcade ça, c'est une torture! Bah oui, bah vas-y, bourre! Bourre de Brise-Vagarde! Écoute, on est fait pour s'entendre. La chope, c'est vraiment le seul moyen de s'en sortir là-dedans. Enfin, quand t'as à me sortir. Ouais mais voilà, attends, toi tu es un débutant pour nous maintenant. Tu peux plus nous tuer, c'est fini. Mais c'est quoi ce mode arcade là où tu dois tuer tous les mecs d'un coup, sans mourir? Encore c'était un mode survie, je suis d'accord, mais... Faut se calmer quand même, tiens, bim. Bim. Voilà. Voilà. Perfect. Et ben voilà, perfect. Finalement, ce jeu est facile. Oh putain. Ah, sur les trois jeux, oui, il y en a un qui a l'air mauvais, mais mauvais marrant, en fait. Je crois que c'est le troisième que je testerai. Et en espérant que le prochain soit bon, quoi. Ok, et elle se meurt saute. Non mais calme-toi. Mais il y a une dive kick invincible. Mais calme-toi. Voilà. Ok. Si on meurt, on arrête là. Je tiens à prévenir tout le monde. Ok, bon, bah... Est-ce que je peux provoquer, non? Apparemment, non. C'est ça, c'est Batman quoi. Mais le mauvais jeu sur SNES. Batman Forever. Non ! On aurait pu gagner. Oh bah défoncé. Ok, bon. Ok. Bon.
Ce jeu n'est pas très bien. Il faut se l'avouer. Mais du coup, merci à tous d'avoir suivi cet épisode du Dragon dans le vent. Et écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour un jeu qui sera, j'espère, beaucoup mieux. Allez, salut tout le monde. Bye.